Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plaspa et on est parti pour Sonic. Attends, ça arrive. Sonic Generation Adventure. Et ouais, parce que c'est un mode de Sonic Generation, un mode qui va reprendre des niveaux de Sonic Adventure, premier du nom. C'est parti. Et aussi avec quelques niveaux de Sonic Adventure 2. Donc. Voilà, Windy Valley, Mystic Ruins et Emerald Coast. Ainsi qu'un autre niveau par la suite, mais je vous le dis pas tout de suite, c'est une surprise. Un niveau de Sonic Adventure 2, un très bon niveau. Bon là on est parti, on a, sachant qu'on a une phase avec Sonic classique et Sonic moderne. On va faire la phase pour l'instant Sonic classique. Vous allez voir que c'est assez sympathique, c'est des niveaux assez originaux, reprenant voilà le style graphique de Sonic Adventure, premier du nom. Sachant qu'il y a quand même pas mal de bugs avec l'eau, mais bon, c'est un mode, hein, c'est pas le jeu final. C'est pas Sonic Generation. Mais on voit quand même, au loin, vous voyez, on voit la Station Square, je crois que ça s'appelle, la ville... dans laquelle on se balade dans Sonic Adventure, qui ressemble pas mal à une ville à la GTA. Je vais vous dire ce qu'il y a. Voilà, donc là je fais attention et purée, j'ai pas réussi à monter. Ouais, on voit les paquebots, c'est quand même assez bien fait. C'est assez impressionnant. Parce que Sonic, faut savoir que Sonic Generation est un jeu très facile à modder, en tout cas pour les modeurs professionnels. Pour ceux qui s'y connaissent, en tout cas d'après ce que je vois, il y a plein de mods sur Sonic Generation, c'est assez impressionnant. De mods pas inintéressants en plus, des niveaux quoi. Des niveaux en plus comme si c'était un DLC, voilà. Que Sonic Generation continue. Ce jeu n'est pas mort. Il y a toute une communauté qui crée de nouveaux niveaux. Et ça c'est assez impressionnant parce que les niveaux sont vraiment intéressants. Il y a pas, il y a très peu de niveaux qui sont chiants quoi. Ou très simples. Enfin, je vais vous en montrer un. J'ai mal à parler. C'est Windy Valley. Encore lui ouais il est un peu plus il est moins. Je sens qu'il a été fait plus rapidement. Enfin, pas Windy Valley que vous allez voir juste après, parce qu'il y a plusieurs versions de Windy Valley. Donc, vous verrez, je vais vous dire quelle version ça sera. Voilà, victoire. Quel talent. Bon, après, on est noté, mais je pense pas que ça donne vraiment les vraies notes. Quoique, j'ai eu un S. C'est vrai, je suis plutôt bien démerdé. Voilà, après, évidemment, dans les modes, vous avez... des textures assez ignobles hein, comme ce qu'on voit derrière. Bon après c'est pas Sega qu'on fait les mods, voilà tout simplement. C'est quand même assez bien foutu, surtout bah, celle de Sonic moderne, vous allez voir. Là vous avez vu que ça a repris d'ailleurs une petite partie du niveau Sonic Adventure de Emerald Coast, et sachant que là ça va reprendre tout avec des bonus en plus quoi. Voilà, je pense passage, c'est un petit raccourci. Sachant qu'on peut passer, voilà, je vais vous montrer. Bon, si on peut. Bon, je vais faire recommencer, c'est plus simple. Ça, c'est un raccourci que j'ai pris. Voilà, je trouve ça énorme, en plus, la musique. Voilà, ils ont repris, je crois, la musique. En tout cas, avant, ils ont fait carrément un remix. Si vous avez bien entendu, c'était un remix de Emerald Coast. Très bien foutu, d'ailleurs. Je sais pas comment ils ont fait ça. Et puis là, bah, je pense, par contre, c'est un remix, oui, mais qui a été fait sur 3DS. Hein. Ouais, y a pas photo, c'est la version 3DS. Ça. Ouais, c'est pas ceux qu'on fait le mode qu'on fait un thème à eux seuls, quoi. Voilà, c'était un raccourci aussi. Alors, je vais pas tout vous montrer. Hein. Vous pouvez faire le niveau vous-même.
Et en tout cas, si vous avez acheté Sonic Generation, parce que je pense pas que ça. Les mods ne marchent pas sur un jeu craqué, je pense pas. En tout cas, moi j'ai le vrai Sonic Generation. Et de toute façon, le seul jeu que j'ai craqué, je vais vous le dire, c'est Tomb Raider. Voilà. Tomb Raider 2013. Parce que. Je le trouvais assez cher à l'époque, même si maintenant il peut être qu'à 5€ sur Steam. Et que bah j'étais pas trop sûr de ce jeu et finalement bah je l'ai fini quoi. Ah mais tout le monde l'a fait, tout le monde a craqué un jeu dans sa vie. Tout le monde a craqué les jeux de DS par exemple. Avec les super cards. Merde. Tout le monde s'est viandé sur des pics. Voilà, magnifique looping. Là, vous avez vu quand même. C'est assez impressionnant. C'est. Bon, des fois, il y a des petits bugs, voilà, des petits bugs d'affichage. Sonic qui clignote, des fois, peut-être. Bon, ça arrive assez rarement. Et franchement, ouais, la musique, elle pète, quoi. Bon, je suis passé du mauvais côté. Mais ouais, ouais, non, c'est la musique qu'on entend dans, ouais, dans Sonic Generation sur 3DS. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, je vous ferai quelques vidéos sur 3DS, quoi. Je suis assez motivé. Avec une magnifique qualité. Ah oui. La qualité caméra de Clodo, c'est assez beau. On peut pas faire autrement sur une console. Une console portable. Ah si, après, en vente, il y a un truc qui permet de... Le capture board, je crois que ça s'appelle. Qui permet de capturer une DS ou une 3DS. Et ça coûte la peau du fion. En plus de ça, faut que la DS soit zonée, dézonée ou un truc du genre. Laisse tomber. J'ai réussi à dézoner ma NES, mais bon, une 3DS, c'est trop compliqué. Attention. Et je me suis viandé. C'est magnifique. Putain, jusqu'à maintenant, j'ai bien joué. Voilà. Forcément. Ouais, ce passage, vous le reconnaissez tous, évidemment. En tout cas, fans de Sonic 3D. Parce que les fans de Sonic 2D, ils vont gerber en voyant ça. Je comprends toujours pas ceux qui surkiffent les Sonic 2D et qui disent que c'est de la merde, les Sonic 3D, parce que... Sonic Adventure 2, bordel de merde, c'est pas des jeux de merde. C'est... On voit quand même que ça a été fait par un très grand studio et voilà. C'est pas non plus du niveau d'un Mario 64 de l'époque, mais. Pour Sonic Adventure, mais voilà. Ça faisait quand même concurrence, hein, c'est. Après, oui, c'est un jeu assez court. Bon, allez, on va faire. Je suis parti un peu en n'importe nawak. Alors on va faire Mystic Ruin, et oui ils ont fait Mystic Ruin en niveau, c'est incroyable. C'est surtout pour ça que j'ai installé ce mod. J'étais très intrigué par ce niveau, sachant que là il y a un passage secret, voilà, on passe au travers. Voilà, je vous montre quand même. Putain mais. Des passages secrets assez chauds à trouver. Je l'ai trouvé au bout de je sais pas combien de runs. Et parce que souvent. Parce que ouais, les niveaux ils sont tellement bien foutus qu'on fait plusieurs runs comme si c'était des niveaux faits, des niveaux basiques quoi, de Sonic Generation. Merde. Bon, on sent quand même que par moment on est mort et que c'est pas trop de notre faute quoi. C'est des fois la caméra qui part complètement en couille. Ah putain, je me suis planté de bouton. J'ai fait B au lieu de A.
C'est la première fois que ça m'arrive. C'était assez beau. Là, vous voyez, il y a plusieurs passages quand même. Mais on peut aller à droite, dans la grotte, ou à gauche. Voilà, si la caméra avait bien tourné. Et on va carrément aller sur le vaisseau d'Eggman, là. Qu'on voit dans Sonic Adventure 1. C'est quand même assez énorme. Voilà, bon, évidemment, après, oui, les textures baveuses, tout ça. Non, c'est pas très beau, mais je crois qu'ils ont, repris les textures de base de Sonic Adventure, là, dans celui-là. Sauf pour l'eau. Par contre, l'eau est vraiment moche. Ah bon, ouais. Elle est un peu trop lumineuse. Ouais, par contre, on voit que... Ah, aussi, je vous ai pas dit... Mais Sonic a une nouvelle animation et ses chaussures sont différentes. Ses chaussures proviennent de Sonic Adventure 1, tout simplement. Et ses animations aussi. En tout cas, quelques animations. L'animation quand il court à pleine vitesse, c'est l'animation qu'on a dans Sonic Adventure 1. Voilà. Parce que normalement, il court pas comme ça dans Generation. C'est un peu différent. Donc ils ont changé l'animation, c'est un truc à noter. C'est assez bien foutu. Enfin, c'est la skin Sonic Adventure, tout simplement. Mais c'est exactement la même skin, sauf pour les chaussures. Ah là, t'as faut recommencer, là. Faut faire en mode beau gosse. Là. Parfait. Après, oui, c'est pas souvent des niveaux évidents dans les modes. Et il faut quand même avoir pas mal de maîtrise... Du gameplay de Sonic Generation. Bon, là normalement vous avez une grosse boule de pierre qui vous poursuit à la Indiana Jones style dans Sonic Adventure là. Et là ils ont pas fait ça. C'était peut-être pas possible. Là, on court sur le serpentin. Là, ça a été repris carrément du... Tiens, on va aller là. Passage secret. Ça a été carrément repris de... Putain! J'arrive pas. Ce passage-là a été carrément repris de... du niveau 8, je crois. Du 8e stage de Sonic Adventure. Quand on est dans les ruines, en fait. Ils sont assez durs à trouver au début, faut trouver deux statuettes là pour ouvrir les ruines dans la forêt qu'on voit là d'ailleurs, la forêt. C'est assez impressionnant. Et en plus après évidemment il y a là où est placée l'émeraude mer. Donc franchement chapeau pour le niveau, c'est super bien foutu. En plus il y a plein de passages différents. Là, je vous ai pas montré deux autres passages, voire trois, mais qui sont complètement différents. Hein. C'est dure pendant 50 secondes. C'est un passage qui dure 50 secondes que vous avez pas vu, quoi. Ou deux, même, plutôt. Donc voilà, Windy Valley. Ah, et aussi, grâce au mod, on peut aussi faire du surplace. Hein. C'est un très bon mod que j'ai téléchargé. Sonic qui fait du surplace. Non, c'est juste un bug comme ça. Qu'il y a dans ce mode d'ailleurs, dans le jeu d'origine, j'ai jamais fait du surplace. Voilà, là c'est la deuxième phase de Windy Valley. Je me suis demandé. C'est magnifique. Eh mais ce genre de fail, ça arrive qu'en vidéo, c'est magnifique. Voilà, l'homing attack, toujours présent. Sachant que, tiens, allez, on va parler un peu des nouveaux Sonic, là. Qu'est-ce qui va sortir en 2017? Bon, d'après les maigres infos que j'ai eues, il y aura en tout cas un Sonic 2D. Par contre, je sais plus son nom. Sonic Medley ou... Non, Sonic... Made... Oh, je sais plus trop quoi. C'est un Sonic reprenant... En tout cas, tapez Sonic 2017, vous allez tout de suite trouver ce jeu-là. C'est un petit jeu Sonic 2D à l'ancienne, avec des graphismes rétro, Mega Drive. Bon, un poil arrangé quand même, parce que certes, il y a des gros pixels, tout ça, mais
crois que c'est quand même un poil arrangé, évidemment la HD hein, joue beaucoup. Mais voilà, ça rend le truc plus joli du coup. Et bah, c'est assez sympathique. Ça a l'air d'être un très bon Sonic à l'ancienne. Voilà. Ressemblant beaucoup au jeu Mega Drive, mais en plus lisse évidemment, vu que c'est en HD. Mais on a quand même la même patte graphique. Après, j'espère que niveau musique c'est pareil, mais j'ai pas trop l'impression qu'ils ont repris la sonorité Mega Drive. Je pense qu'ils ont plutôt. Ouais, bah, même, c'est pas que je pense, je suis sûr, puisque on a eu quelques OST sur ce jeu, qui n'est pas encore sorti. Sortira début 2017, si je dis pas de conneries. Mars 2017, ou un truc du genre. Et ouais, niveau musique, ça a l'air sympa, mais c'est pas de la Mega Drive, quoi. Ce qu'on recherche dans les Sonic 2D. Mais bon, ça a l'air bien mieux que Sonic the Hedgehog 4. Évidemment. Allez, on y va. Ah, ce qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, je cherche. Voilà. C'est ici. Attends, est-ce qu'il y a un niveau aussi là? Non. Voilà, faut les rechercher, les niveaux, par contre. Hein. Voilà. Et voilà, carrément, ils ont fait un remix du thème. Donc, je vous laisse écouter. C'est magnifique! Mais purée, j'ai fait Y! J'y crois pas, ça. Bon, allez, vas-y, ça marche pas. Bon, voilà, un très bon remix. Bon, je vais vous faire écouter la suite après. C'est bon, là, avec mes fails, voilà. On n'entend que le début du thème. En tout cas, le remix, je le trouve très bon. Et purée, c'est pas possible. Je suis maudit. J'ai fait le homing attack trop tôt. En tout cas, vous voyez les décors et tout, bah, c'est vraiment style Sonic Adventure 2, quoi. En plus beau. Un peu plus beau. C'est vraiment bien foutu, quand même. Après, évidemment, ils ont repris les ennemis qu'on a dans Sonic Generation. Mais ça marche nickel. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est du grand art, tout simplement.
On va prendre. Voilà. L'interrupteur. Ah, je me suis fait toucher. Voilà, magnifique solo de guitare. Et ça continue, ça continue. C'est vraiment un très bon remix. Et je trouve que ça dénature pas du tout le thème original. Alors en plus là, le thème est vraiment long. C'est quand même assez impressionnant. Il était même pas encore fini. Donc voilà. Une victoire, et aussi quand il gagne, voilà, quand on a la note S, il fait la fameuse animation à chaque fin de niveau dans Sonic Adventure. Évidemment. Donc voilà, en plus ils ont fait même un thème quand on est juste devant le niveau comme ça. C'est vraiment pas mal du tout. Après vous voyez, voilà, les niveaux de base, il y a des bugs graphiques quand on met le mode. Évidemment, ils ont trifouillé les fichiers du jeu. Et voilà, en gros, les modes, voilà, bah, ça marche très bien si vous avez acheté le jeu en téléchargement en CD, si vous avez acheté le jeu en boîte, comme moi je l'ai fait, vous installez les modes et ça se fait tout seul. Après, évidemment, au tout début, vous galérez un peu, mais bon, vous avez déjà mis, en faisant le vidéo test Sonic Generation, il y a un an, je crois, même plus, ça date. Quand j'avais fait le vidéo test de Sonic Generation, je vous avais mis un lien pour pouvoir installer les mods de Sonic Generation. Et à cette époque-là, j'avais installé que un mod ou deux. En tout cas, je vous en avais montré qu'un seul, et c'était le mode Sonic Unleashed, que je pense vous montrer en entier cette fois-ci, et en 1080p, vu que mon PC peut faire tourner maintenant le jeu en 1080p, c'est déjà bien. Bon, en 4K DSR, mais je ne peux pas, vu que ça sera trop lourd pour la vidéo. Donc on va se retrouver tout de suite après pour une autre version de Windy Valley. Et je pense que la vidéo se terminera par la suite. Allez, à de suite. Et voilà, nous nous retrouvons. On est parti pour Windy Valley, l'autre version, bon, qui est assez simpliste. Là, c'est vraiment le début de Windy Valley, comme il est dans Sonic Adventure. Et c'est vraiment presque la même chose. Voilà, sachant qu'on peut tomber assez facilement. Et que la fin est assez chelou. Voilà, on monte. On essaie de viser l'anneau et c'est magnifique. J'ai réussi du premier coup. C'est un niveau qui se finit comme en 30 secondes. Hein. C'est très rapide. Donc voilà, oui, c'est magnifique. Et donc je vais vous montrer l'autre version, encore une fois, il y a une autre version de Windy Valley. Bon, celui-là est plus dur à trouver parce que fallait enlever le mode Sonic Adventure Generation et mettre que ce mode-là. Voilà, alors que celui d'avant, on pouvait laisser Sonic le mode Sonic Adventure. Et ça ne marche pas quand même. C'est magnifique. Ah, ou c'est peut-être ici. Les modes sont parfois assez chauds à trouver. Et voilà, nous l'avons trouvé. Donc là, c'est l'autre version. Qui est un peu plus longue, qui est mieux réalisée. Surtout. Parce que je pense qu'avant, c'était la version bêta, voilà, c'est ça. Là, c'est la version complète. Vous allez voir, c'est un peu mieux. Voilà, ils ont carrément repris l'effet
Enfin, quand il court dans les airs, sauf que là, évidemment, il était sur un rail invisible, hein, vous l'avez tous vu. Et là, voilà, on passe dans la... On va passer dans la deuxième phase de... De Windy Valley. Sachant que je me viande. Putain. Ah, c'est quand même assez chaud. Voilà, parfait. Saute dans tous les sens. Et voilà, la deuxième phase est déjà là. Et ils ont carrément fait la musique de la deuxième phase d'ailleurs. C'est assez incroyable. Par contre, il n'y a pas eu de transition comme il y avait à l'époque dans Sonic Adventure. Il y avait une transition assez stylée. Avec un magnifique lag. Bah là, non. C'est le niveau qui continue. Je suis pris de pique. Normalement, il bouge les pics dans la version Dreamcast ou GameCube. Évidemment. Mais c'est quand même bien foutu, hein. Mais c'est sympa, moi, je trouve, de le refaire sous un autre angle, de le refaire avec le gameplay de Sonic Generation. Je crois que là aussi, on peut tomber. Hein, vous vous souvenez, dans mon speedrun, tomber directement, même si je sais pas trop si ça marche. Pour le fun, on va essayer. Je vais me suicider. Et on va voir si on peut. Ah putain! Parce que si on peut, franchement, c'est... C'est vraiment bien rapproché de... Purée. De la version originale. C'est très fidèle à la version originale. Putain, de faire un gros cut en tombant. Putain, mais j'arrive pas à sauter. Allez dire que je vais bientôt speedrunner ce Sonic Generation. Non, mais dans les niveaux de Sonic Generation de base, j'y arrive très bien. Ils sont plus simples, plus accessibles. Et surtout que je les connais vraiment par cœur parce que je les ai refaits de fond en comble. Là on va tomber. Je vois plus rien. Ah mais oui, le glitch marche. Enfin le cut. C'est magnifique. Ah bah non. Il y a un trigger, évidemment. Bon allez, on va le finir normalement. Cette fois-ci je me suis pas fait toucher. Puis là vous voyez. Vous voyez le principe, hein, voilà le principe des. Des modes de Sonic Generation, c'est de reprendre, la plupart du temps, de reprendre d'anciens niveaux de Sonic Adventure ou Sonic Heroes même. Car oui, il y a un niveau aussi de Sonic Heroes qui est assez bien foutu. Et bah, c'est tous les niveaux finalement que Sega n'ont pas inclus dans Sonic Generation. Voilà. Les fans ont fait leur version à eux de Sonic Generation. Leur version à eux du niveau, par exemple, de Emerald Coast sur PC. Parce que Emerald Coast a été bien fait sur Sonic Generation, mais sur 3DS. Alors que sur PC, PS3 et 360, il n'existe pas. Voilà, grâce à des moteurs talentueux, nous avons le niveau Emerald Coast dans Sonic Generation sur PC. Donc voilà, sur ce, bah, je vous dis... Quoique, il reste encore un niveau. Bon, qui est pas facile à actionner, hein. Mais c'est Sky Rail. Je le dis au cas où si ça marche pas. Voilà, au cas où si ça fail. Et je vous mettrai un lien dans la description. Mais bon, je vous dis quand même à de suite. D'après cette vignette, ça a l'air de marcher. Donc on est parti pour Sky Rail. Et voilà. Ou Sky Rail, je sais pas. Ah bon, je me suis un peu viandé.
Mais non, on speedrun le niveau, c'est incroyable. Là on voit carrément des pigeons. Je sais pas si dans la version originale il y a des pigeons par contre. Ça c'est un plus. Et là c'est, en fait finalement là c'est presque le même tracé avec quelques changements. Mais voilà, c'est quand même presque le même tracé que bah, que la version originale de Skyrim. C'est quand même vraiment, c'est vraiment sympa je trouve. De les refaire sous une autre envergure, sous un autre angle, et surtout avec le moteur graphique de Sonic Generation, sa jouabilité. Même si on voit, bah là les textures sont assez nettes, même si on voit en fait c'est des textures reprises de Sonic Adventure 2 ou 2 Battle. On voit directement, c'est exactement la même texture là qu'on voit. Mais en bien plus net, je sais pas comment ils ont fait pour la rendre aussi aussi HD. Même si je me souviens que c'est une texture assez nette ça, c'est. Ça m'avait frappé quand j'ai fait le montage pour mon top 20. Alors on cause sur une texture quand même. C'est assez épique. Ah purée, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Bon, on recommence. Alors ça c'est des trucs par contre incompréhensibles des fois. Faut pas trop forcer Sonic hein. Faut être assez prudent. Ouais. Comme là, il y a des pièges inévitables parfois. Puis il y a des moments Sonic se place pas comme on veut. C'est pour ça qu'on voit quand même que c'est moins maîtrisé que un simple niveau de Sonic Generation. Même s'il y en a certains qui sont bluffants quand même. Comme Emerald Coast de tout à l'heure. Vraiment. Et puis quand même celui-là, oui, c'est vrai que il est assez joli surtout. Voilà, on a réussi. Avec le perroquet. D'ailleurs, oui, par contre, il y a des perroquets dans Sonic Adventure 2, ça je m'en souviens. Bon, par contre, c'est n'importe quoi d'avoir mis le vaisseau au loin de Sonic Adventure 1. Mais bon, le clin d'œil du premier. Au moins, c'est stylé. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux modes dans Sonic Generation.